J'ai même pas encore fini. J'ai déjà fait les trois choses. Je vais faire le matin, il me reste une chose à faire. Une autre demain matin. Donc vous croyez que je vous parle là, vous, je mens. Moi je veux que sauf que parler que vous. Bonjour. La prochaine fois j'ai pas de sujet. J'ai mon portefeuille sur moi. J'ai jeté encore le portefeuille là. Je savais que je n'aime pas Reven Biaï. Je n'aime pas du tout. Mais elle a fait une vidéo. Léo a parlé de la chance des gens qu'on va prendre. Est-ce que je vais même publier ça sur mon mur? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est moi qui parle? N'est-ce pas Reven Biaï avec eux? Reven Biaï parle. Que fait elle a parlé de ça sur TikTok. Faites attention, il y a les gens qui sont là pour prendre vos étoiles. Faites attention. Machine, je fais. C'est parti, maman. Je vais finir de couler même quand il s'est en faisant. Hein? Parce que quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Moi, je ne peux pas parler. La vidéo est là dans ma page, non? C'est moi qui vous parle. Hein? Pourquoi quand Reven Biaï il dénonce la même chose que moi, vous ne l'insultez pas? Hein? Elle parle de beaucoup de choses. Tu vois qu'elle va d'abord venir. Comment alors? Vous ne parlez pas aujourd'hui. Hein? Elle veut déjà payer les morts, les robes de la mort. Si j'étais encore avec vous, pourquoi tu veux savoir où je suis? Je suis quelque part. Déjà, je regarde les gens qui sont mal polis. Hein? J'adore quand on me met les cœurs, on me dit bonjour. Tu m'as pas tué ou comme ça. C'est tué qui pour moi pour me demander, pour me poser des questions. Tu ne dis pas bonjour, tu dis tué ou. Et tu me vous voyez. Hein? Vraiment, ça ne va pas comme ça. Ah. Moi-même est étonné. Tu peux amourer de qui? Regarde-moi ton visage, on dirait le kangourou. T'as quoi des sous-hommes comme toi? Des va-nu-pieds. Vous pouvez épouser les gens de ta catégorie, pas moi. Je parle ici à Facebook, que ça vous déplaise ou pas. Quand les Bamileke parlent ici, il y a une Bamileke, ce qu'on appelle les contenances. Il y a Oshila.
qui lave les bamiliki chaque jour. Ça vous fait pas mal. Moi, je ne lève pas que les bamiliki, moi, je lève tout le monde. Parce que je vois ce qui n'est pas juste. Si j'étais encore avec eux, ce que j'allais pas vous dire, c'est ce qui va se passer là. Rêvez bien, aussi parle que me fiez-vous. Vos étoiles vont être plus bientôt. Rêvez bien, il parle de ça. Écoutez sa vidéo, j'ai mis ça à ma page aussi. Vous allez comprendre ce qu'elle veut dire. Vous êtes là, on vient vous dire certaines choses. Non, parce que c'est fait à l'été, n'est-ce pas? Elle était venue. Non, c'était avant. Moi, j'ai trahi parce que je dois trahir. Je ne suis pas hypocrite. Mais si j'étais encore avec, je n'allais pas me trahir. Et quand j'ai trahi, ça veut dire cela. Oui, hein? Qu'est-ce que tu es quoi? Tu es pasteur, hein? Les pasteurs qui couchent avec les hommes là. Moi, je dégage. Ton sale vieux cul de pasteur là qu'on soigne. Pasteur de quoi? Tu peux laver qui? Tu es un pasteur toi? Les pasteurs viennent des réseaux sociaux. Un monde sale morpion comme ça. Ah, je suis pasteur. Pasteur de quoi? Lave-moi. Et soigne. Tu n'as pas de femme? Je suis amoureux de toi. Amoureux de qui? Hein? Je suis vieille, j'accepte. Et langue vous tous. Et là, 1500 vous tous. Regarde-moi les chiennes comme ça. Elle me fout. Et là, nous, on me canne. Elle me rend de Yahweh. Je me dis, toute ta famille des langues. Tu entends, non? Bande de chiennes. Je peux toucher avec toi. Regarde ton visage. Même tes dents sont pourries. Mbap. Et vous êtes bien lavé. Vous êtes parti. On vous a laissé comme ça. Regarde-moi les chiennes comme ça. Vous êtes juste là, mort ou islam. Depuis que je suis plus avec vos soeurs, je suis devenu vieille. Je fais mon âge. J'ai 48 ans. Bientôt 49 ans, d'accord? Je fais mon âge. Elles ne sont pas vieilles, hein? Parce qu'elles font le make-up. Faut me voir en vrai. Faut me voir en vrai, hein? Elles veulent devenir vieilles. Regarde-moi les chiennes comme ça. Vous êtes pour qui? Même si j'ai pris en ce moment, quelqu'un vient me déranger, je suis ton propre. Vous méritez mes injuges. C'est moi ce qui est devenu vieille, hein? J'accepte ma vieillesse. Depuis, je suis plus avec Flo et Bobo. Je suis d'abord avec eux avant. On était d'abord ensemble. Bande de Dio. L'amour est forcé. Je suis amoureuse de toi. Il me dit que j'ai langue. Vous allez pleurer ailleurs, vous allez plus me voir. Bande de chiennes. Donc mes collègues sont mieux que moi parce qu'elles sont les teintes claires. Hein. Tout me voit en vrai. Pourquoi faire des gens sans pour être belle, hein? Voilà vos gens sans là. Les vieux bordels qu'elles vont vieillir. Tu vas devenir quoi? Ce sont tous deux les sont mes cancers. Hein. First, ma cancer, des très loin. De loin à l'eau, ce sont mes cancers. Hein. C'est moi qui vous dis. Ne restez pas là pour dire que ding. Arrête de dire que je suis ta chérie et je ne suis pas ta chérie. Je ne peux pas garder ma chance comme ça. La chance de quoi? De rencontrer un homme dans ma vie. Dès que tu me vois avec un homme, chérie, toi, je suis ta chérie. Les hommes ont peur. Quel homme peut me traverser? Tu dis à tout le monde que je suis ta copine. Je te préfère toi, ma vie. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Ça va? Non, c'est pas ma chérie. Je suis là. Hein. Ah. Non, c'est pas belle pour toi. Hein. Ah, moi là. Non, toi tu es là, tu dois faire des trucs sur ta chérie. Donc, comme ça, si que tu me traverses, la personne va dire. Moi, non, c'est ma chérie, c'est comme moi, c'est ma chérie, c'est ma soeur, c'est rien. C'est ma soeur, non? Non, je suis ta soeur, mais ne dis pas. Voilà. Tout le monde mais que c'est ta pareil, chérie. Ma chérie, ma soeur. Pourquoi tu fais ta belle gosse comme ça parce que t'es en live? Non, non. Non. Exactement. T'as arrêté de faire monnaie sur TikTok? Non, j'aime pas ton TikTok. Alex, c'est ça? C'est bon. J'aime, moi, je préfère. Tu parles, moi, je travaille. Ah, je sais.
Ça va, mais ah, chérie. Bon, je donne, je sais pas, je donne pas ton TikTok. C'est bien, oui, c'est bien, oui. Je vais, tout à l'heure, je vais aller faire un tour là-bas. Je sais pas, je n'aime pas tout. T'as grossi, ma chérie. Oui, j'ai pris du poids, ouais. Ça fait longtemps que t'as pas fait l'amour, c'est bon. Non. Si tu fais l'amour. Si je fais l'amour, je vais. Voilà. Maman, on va faire l'amour comme ça, elle va maigrir. Avec non. Si tu fais l'amour avec maman, tu vas plus marcher droit après. Ah bon? Avant, il va me casser partout. Tu as marché comme un pingouin. Tu es comme maman, lui, il va finir comment? Tu vas maigrir des fesses. Moi, je suis pas maigrir. Ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Mais non, il n'y a rien. Regarde, elle prouve un camp. Elle prouve un camp. Maman, maman. On essaie, hein. Ah, t'es encore direct. Bah oui, dis bonjour. Bonjour. C'est Momo. Ils sont morts de rire. Ah, c'est la vérité. Allez. Ah, ça va goûter le coco là. Allez, Bon, je vais à la maison. Je reviens tout à l'heure, je vais à la maison. Je prends où tu veux. Bah, je vais me couiller, moi. Prends où tu veux. Profite de tes derniers jours. Il est chaud. Pourquoi tu veux que je donne ça alors? Voilà. Voilà, voilà. Ah, il est gentil, hein. Il y a du beau, il y a du beau monde dehors, hein. Ouais, ben. Esprit Saint, j'ai libéré nos vies. J'ai déjà parlé, je parle. Voilà mes containers à une fille bamileke qui vit aux États-Unis, qui vous lave chaque jour que Dieu a créé. Donc, quand les bamileke vous lavent, vous acceptez. Quand les quoi lavent, vous n'acceptez pas. Hein? On va que laver ce qui est faux. Je vais vous dire la vérité. Moi, je parle à mes sangs quoi qui sont toujours là derrière. Derrière un grand comme là. Que ne partez pas cette soirée là. Je vous souhaite de discuter de la paix, je discute avec vous. Là je sors d'où là, hein? Là je sors de l'église, hein? Bonjour, vous allez bien madame? Ça fait longtemps. Oui, je viens d'AVC. Tu as bien AVC? Sinon ça va quand même un peu. Oui, j'ai perdu mon fils derrière. Oui. 31 ans. Comment? J'ai perdu mon fils 35 ans derrière là. Ton fils est mort? Hum? Quand c'est 35 ans? Mois de mai. Au mois de mai? Oui. C'est mais... pour ça que tu as eu l'AVC? Après. Avant. Il était malade? Il a fait une crise cardiaque. Une crise cardiaque aussi? 35 ans. 35 ans. Alors là, ça va être douloureux, hein? Oui. J'étais dans le lit quand on m'a annoncé, hein? Ah oui. J'ai passé 4 mois et demi à l'hôpital, là. Hein? Oui, j'ai cherché. Parce que là, je vois souvent votre fille, là. La grande, elle vient souvent là à la maison, souvent. Bon, je demande comment vous allez, elle ne me répond pas. Ah bon? Non. C'est pas grave. Voilà. Bah, de toute façon, ça va. Je suis très contente de vous revoir. Oui. Et puis, bah. Oui, il faut saisir. Portez-vous bien. Je suis encore là-bas, touchée. Non, ça va aller. Moi, j'en ai marre. Ça va aller. J'espère. Bah oui, et soyez heureuse, hein, que vous n'êtes pas passé. Non, j'ai même un dos de malheur. Hein. Ah oui, bah oui, ouais, perdre un enfant de 35 ans. Hein. Oui. Avoir les AVC, ça c'est la totale quoi. Oh, il y en a plein qui ont fait des AVC où je suis à l'hôpital. Oui, mais l'AVC c'est tout le temps maintenant. Est-ce que ça n'a pas des médicaments qu'on a pris les médecins là? Oui. Qui aurait déclenché ça? Déclenché quoi? Les vaccins pour les yeux. Ah, les vaccins? Oui. C'est ça qui déclenche ça? Peut-être. Bah oui.
Bon, je vous laisse. Okay. Ma soeur m'attend. Ok, à bientôt. Écoutez, bonjour. Bon courage à vous. Hein. Ben, c'est une petite prière pour moi. Voilà, je vais prier pour vous maintenant. Vous vous appelez comment? Ok. Et on avait bien dit ici là, que les vaccins qu'on nous a vaccinés, si on ne sait pas là où ça sort. Voilà les AVC qui sortent. J'ai pu seulement dire que ça n'arrive pas. Parce que moi, je ne comprends pas là. La petite toux que j'ai eu la dernière fois là, maman, dès que je toussais seulement, je dis, mon corps me faisait mal. J'avais mal au niveau du ventre. J'avais mal partout. Dès que je tousse, je n'ai jamais eu la carte de tout le jour. Mieux vaut, je l'ai dit quand je veux dire que j'ai pris. Regarde une dame, elle que j'ai pris, et je vais prier pour elle. Elle a quand même fait 4 mois à l'hôpital. Hein. Je vais prier pour elle. Donc elle est très contente de sortir. Dieu du ciel. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, merci. Je vais faire la liberté. Je regrette que je puisse pouvoir. C'est horrible. Mais mes vêtements me vont toujours. Hein. Mes vêtements me vont toujours. Mais pourquoi est-ce que je peux choper? Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que dans son soin où elle était à l'hôpital, il y avait plein de gens qui ont des AVC. C'était pour venir diminuer la population. Si elle savait, je n'allais même pas faire de vaccin là. Si je savais, viens tuer trop tard. Ils lui ont injecté même quoi comme ça là. Parce que normalement, je ne dois pas avoir la maladie. Je ne dois pas sortir de chez moi. C'est vrai quand même qu'il faisait froid. Je ne dois pas sortir de chez moi. Et bam, je tombe sur le lendemain. C'est pas que vous ne voyez pas. Maman, je tordais pour tousser. Je dis que, quand elle fait... je dis que c'est comme si tous mes instincts à l'intérieur voulaient seulement se déchirer là-bas. Oui, c'est la pression du gouvernement. Hein. Parce que je ne pouvais pas aller n'importe où, maman. On a d'abord fait un. J'étais sceptique pour les un là, je suis parti faire. Deux, je suis reparti faire. Le troisième, j'ai dit que un, le douzième. Il ne fait pas moi. Mais oui, parce que vraiment là, mais voilà. Ça n'est déjà pas toi, hein. C'est chaud, hein. Bonjour. Oui. Ouais. En plus de ça, il a perdu son fils de 35 ans. Je sais que parce que le vaccin a fait des ravages ici dehors, hein. Moins de rhume. Tu tousses seulement et j'ai remarqué que je deviens trop fragile avec le vaccin là. Je deviens très très fragile. Et pourtant, on est en train de vacciner là, nous sauver la vie. Voilà ça qui est en train de nous tuer. Oh.
Maman, j'allais travailler là-bas à la maison jusqu'à. Il faut que j'arrange mes habits. Les choses, les choses. Mon Dieu. Ouais. Les escaliers ici. Oui, mais c'était dangereux. Ouais. Moi, je suis dedans, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas dire, j'ai mais moi j'avais fait Pfizer. Hein. Ah oui, voilà Pfizer que aujourd'hui je regrette. Ta Pfizer de mes fesses, oui. Il fallait dire qu'il faut vous voulez qu'on nous tous en main. Il fallait nous dire ça. Qu'on soit dans les dailles. Oui, je ne fallait pas faire ça. Mes enfants n'ont pas fait le vaccin. Hein. Elles ont dit qu'elles ne font pas le vaccin. Bon. Je demande un gada pour jouer l'arrangement. Je vais arranger un gada. Fils du Spirit, Fils Saint-Esprit. Sorti de ton ventre. J'ai dit, c'est chaud, hein? C'est quoi non? Bon, je bois quoi ce midi? Il y a quoi à boire dans cette maison? Il y a du vin là. Je bois un bon petit vin. Comme ça, je m'assois, les filles, les gens plantent. Je bois moi le vin du Ghana. Moi, mon Dieu, il m'a dit quoi le Ghana? Comme ça, je vends mon vin et je bois encore le vin là même. Eh, le Ghana va bientôt tomber en faillite. Venez me tromper les prunes. Demain, il y aura des prunes. Avec les bons bobolos. Il y a tout ici. Hein. Il y a tout. Vous avez acheté, il y a tout. Il y a des gens qui ont fait des ravitaillements de nourriture. J'ai acheté le mojom. Il y a encore un sachet de misunga. Je viens de voir ça là. Il y a le porc brisé. Il y a le poisson, il y a le bar, il y a le maquereau. Il y a le bon de vérité, il y a le gombo. Hein. Il y a le gombo. Il y a le mets de pistache que je vais faire tout à l'heure là. Le mets de pistache que je vais faire tout à l'heure.
pas que les mains ne puissent pas, c'est bon quand on fait ça. Le soir, hein. On ne peut pas les mains ne puissent pas la journée. Hein. Attends, on va regarder si j'ai encore les cordes là. Et voilà, ça c'est bon. Je vais attacher les mains avec ça. Je fais deux mains. Un, je vends, un, je m'assois sur ça. Oh, quand vous voyez vraiment la vie, c'est la dame, c'est les blanches là qui habitent en France là. Elle a disparu ici. Elle a perdu son fils de 35 ans. Alors qu'elle a déjà l'AVC. Hey! Comme je dis, j'étais à l'église. Cet après-midi, il y a un gars de 21 ans qui est mort. On demande aux fidèles si les fidèles peuvent venir soutenir la famille. Quand on vous dit que le monde va en couille, il faut prier, vous ne priez pas. Faites attention à vos fréquentations. Vous venez vous asseoir ici, on vous dit. Mais le lettre humain est quand même marrant. Hein. Vous croyez que je mens ce que vous dites, ce que je vous dis là? Lève bien et appelle cette histoire, c'est qu'il y a les gens qui volent vos étoiles ici à Facebook. Il y a certains gens que me fiez-vous. Tout pour eux, rien pour les autres. Vous voyez que je mens? Ah. Je ne m'en perds, elle va toucher les oreilles. Ah. Comment vous parlez, puisque vous maîtrisez. Hein? Maîtrisez bien la chose. Il y a des gens qui sont fonctionnellement méchants. Encore, si quelqu'un est venu me faire quelque chose ici chez moi, ou bien quelqu'un m'a seulement tenté. Mais priez que je prie ici. Ça va vous parler, vous tous, one by one, aux côtelettes. Comme vous croyez que les gens vous ouvrent des portes pour venir gâter la vie des gens. Moi, c'est ça qui tient, hein, je vous dis d'abord. Donc, moi, c'est là à trembler. Tu es là. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu ne fais pas du mal aux gens. Et les gens ne peuvent pas toujours du mal. Parce qu'il y a une catégorie de personnes. Eux, ils ont été écoutés au milieu. Les autres, ils ont été au milieu. C'est ça, n'est-ce pas? Faut faire attention. Dieu n'est pas ça. Hein? Dieu n'aime pas ce qui est mauvais. Vous savez, de tout le mois, si c'est un mois de prière pour moi, hein? Et quand je prie là, je ne peux pas commencer. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Et je répète en disant que si un tiers est pour ce qui m'est arrivé dans ma vie, parce que parfois dans la cause de la famille, elles sont les copines. Vous allez passer vous tous. Vous allez die. Moi, c'est la mort. Je vous dis, je m'en fous. Ah, mais non, mais non. Vous devez toujours dire que, hein,
quand on prie Dieu, on ne parle, on va que parler des cheveux comme ça. Je vous dis. Alors quand vous partez, vous asseoir chez les marabouts pour amener le nom des gens chez les marabouts. Le bon Dieu est là-haut. Il vous voit où? Moi, je suis sans pitié, je suis non pitié. Si quelqu'un a amené mon nom quelque part, je ne veux pas le pardon. Parce que moi, je n'avais pas mon nom. Si quelqu'un vient s'asseoir ici, prier mal ici dans mon gadassi, ça va te retourner contre vous. Parce que moi, je vous dis, mon morahou à vous. Oui. Moi, je suis morahou à vous. Hein. Je vous dis, moi, je suis non pitié. Je vous dis. Quand vous ralentissez la vie des gens, vous ralentissez la vie des gens, il n'y a que vous ceux qui devaient progresser, les autres non. Il faut aussi maintenant, il faut aussi. On ne dit pas pour Seigneur. Bac pour Seigneur. C'est comme ça, on ne voit pas. Dent pour dent et pour œil. Il y a certains gens qui meurent ici, des morts horribles ici là. Tu dois que les gens se sont fait quoi? Parce que soit la personne n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. Quand on vous parle, bon, je vais d'abord commencer déjà à arranger mes choses. Là, j'ai le temps là, parce que après, je dois ressortir. Je sais. Esprit de lumière. Esprit de lumière. Vous savez qui doit aller. Esprit du Saint-Esprit. Ça, c'est mon bazar. Hein. C'est moi ce qui fait le désordre que vous voyez ici. Hein. Seul. Pas que deux personnes. Je suis seul ici. Back to sender. Je vous dis d'abord. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux aussi. Vous êtes mental de bakeba. Je ne vous lâche pas dans Yota. Si quelqu'un connaît quelque chose sur moi, je dis que tu es venu ici, t'assois ici. Comme ça, à faire. Tu as même pensé mal de moi dans ma propre maison. Tu te moquais de moi dans ma propre maison, ici là. Je dis, je veux prier, je ne couille pas de moi-ci. Je ne peux pas couiller de moi-ci. J'ai envie de couiller, mais je ne couille pas. Oh non, ne me touche pas. Je me sacrifie pour ça. Vous allez voir. Je dis que je suis non pitié. Pas de pitié. C'est moi qui vous dis, vous me connaissez, non. Je dis pas de pitié. Que ça vous fasse plaisir ou pas. Souvent, on accuse la famille. Alors que la personne qui est ton ami te sort les gros yeux chaque jour comme cela. Que toi, si tu vas devenir quoi? Oui, non. On peut accuser la famille, oui, parce qu'il y a certains trucs que oui. C'est un que c'est la famille. Mais maintenant, il n'y a plus question de famille. Tout le monde peut te faire du mal. Quand on dit aux gens que arrêtez de faire des gens sans. Parce que les gens trouvent d'autres personnes jolies avec des gens sans. Parce qu'ils savent que s'ils deviennent des gens sans, vous allez voir les vieux kouakou. Les kouakou. Quand on parle, vous dites que vous maîtrisez. Continuez à maîtriser, non? Moi, il doit seulement perdre juste un peu de poids. Dès que je perds mon poids, ça me va. Voilà mes robes que je porte quand je me mets dans mes angoisses la nuit. Moi, j'ai envie de porter ça. Une seule fois que j'ai porté ça. Mais je sors. Toutes les robes que vous voyez ici, je porte ça pour sortir dans mes choses. Je vous montre par là où je pars. On ne filme pas tout. Les robes de soirée. Kata robe. Toujours accuser la famille. Alors que les dougourous sont là. Marco. Hey! Tu attends qu'on t'appelle déjà Marco si tu venais te kidam. C'est toi-même en même temps. Jamais. Vous allez venir ici fuir comme d'autres personnes viennent venir ici pour fuir là.
Vous allez entrer chez moi, vous allez fuir. C'est moi qui vous dis. Vous allez fuir comme si vous fuyez, comme si vous avez vu le diable ici, vous allez voir. Je m'en fous. Certains, ceux qui veulent me saluer, ceux qui veulent me saluer, même plus, je m'en fous, je m'en tape. L'indjangsa n'est pas bien. Vous êtes là. Vous vous trouvez belle parce que c'est l'indjangsa. Tout le monde a grossi. Hein? Quand on voit les deux yamsan, elles ont grossi jusqu'à. Moi, j'ai grossi. Mais moi, je sais comment faire perdre mon poids. Là, là, là. C'est quoi? Moi j'ai vraiment une nourriture, je ne mange pas. Pourquoi je mange? Vous parlez même souvent quoi? Il y a des choses qui se passent. Tu pars, tu veux une vieille mère là-bas, bien alors que c'est ta copine qui porte ton sac, qui est là, qui te montre qu'elle t'aime là. C'est elle alors, hein? Qui te finit par dire dans mon coin. Donc, même dans la vie, c'est prouvé que c'est la personne qui est à côté de toi qui te tue. Donc, arrêtons d'accuser nos familles en Afrique. Ne nous accusons pas. Moi, je n'accuse personne parce que je n'étais pas là quand on m'a fait. Je ne peux qu'accuser moi-même de mes fréquentations douteuses. Et puis, je ne regrette pas. Moi, j'ai à manger, j'ai mon vin. J'ai le temps. Je remercie Dieu pour ça.
Bénis mon repas, mon Dieu. Bénis les mains qui l'ont préparé. Amen. Non, je perds du feu.